Yo tout le monde, c'est Fusing Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 du Let's Play sur Tomb Raider. Et on se retrouve pas très loin de l'objectif, car l'objectif il a disparu. L'objectif doit être par là, je suppose. Ok. En tout cas, le jeu, moi je l'adore, franchement j'aime beaucoup. Les graphismes, le gameplay, la campagne qui a une belle. Enfin, une histoire assez mouvementée. Ça le fait. J'espère. Des nouvelles de Sam? On a suivi sa trace jusqu'à un vieux palais japonais. Ça ne me dit rien qui vaille. Tu sais, elle a peut-être voulu, je sais pas moi, visiter un peu. T'es vraiment nul comme monteur, Alex. Tâchez d'être prudent, d'accord? Bonne chance. Voilà, j'ai entendu qu'il parlait, donc j'avais un peu arrêté de parler. Alors, ah, j'ai pas de point de compétence. Non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais allumer mon chalumeau. Voilà ça. Putain, il fait sombre ici. Il fait vachement sombre. Wow. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Non. Non, non, même pas. Eh ben, c'est qu'ils veulent nous donner plein de matériaux tout d'un coup. Un pèlerinage. Eh ben. Tu te demandes comment ils font pour construire des trucs aussi magnifiques. Faut avoir une de ces inspirations quand même pour graphistes. Pour, enfin, les graphistes et tout, ce qu'ils font, c'est... Waouh. What the fuck. Non, en fait, on va prendre le pont. Attendez. Mais le truc. Pour le poteau. Ok. Ah, le bonhomme, il est là. Oh mon dieu. Oh, mais les enculés. Ils veulent vraiment pas qu'on parle au pilote, hein. Tu m'as causé beaucoup de problèmes, mais non. Tu es aussi naïve que prévisible. Tu es là. Non, t'es sérieux? C'est le vieux. Je suis choqué là. Non, tous nos potes. Oh bordel. C'était pas le vieux qui était avec nous, moi je dis que c'est lui. Oh l'enculé. Putain de traite de merde. Oh, mais vous avez vu ce que c'était le machin tout gros là? Mais c'était un truc de ouf ça. Oh. Ah ça doit faire mal. Ah. Ah, ça va faire mal à la tête et au dos aussi. Oh, le pilote. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh putain. Je veux pas rester là. Allez, se casse. J'ai plus d'armes. Fallait s'en douter. Y'a pas un truc X? Oh là là, mais c'est humain au moins ça? Pourquoi elle veut faire demi-tour? Oh! Mais non, c'est pas humain. Mon à côté, il pourrait pas me suivre où je suis. Mais avec tous les os, pas qu'il y en a qui craque. Oh là là, je stresse là. Oh, ça rase. Tête qui tombe. Tête qui roule. Oh non. Et là, je suis sûr que c'est l'arène. Un truc de ouf. Non. Ah non, il n'y a pas d'arène.
Ah ouais, donc en fait, ils m'ont arrêté. Ils m'ont emprisonné. Mais, ils m'ont laissé mes armes. Après tout, ils sont gentils, hein. C'est des méchants gentils. Ah, mais y a quand même pas mal de petits morts ici. Oui, quand même. Quelques petits crânes. Oui, il y a quelques morts. Oh. 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 Ça me plaît. Ah bah oui, ça c'est pour être discret. D'accord, donc on vient de se réveiller d'un truc de fou, on s'est cogné la tête. Mais on vient, on saute. Des gros rats. Bien. Ouais. D'accord. Oh, en fait, tout compte. Là, c'est une arène par contre. Là, je suis persuadé d'être dans une putain d'arène où on doit se battre. Un Bouddha. Une arène solaire et les gardes tempêtes. Oh non, pas une énigme. Ce que je viens de voir. Emiko, la première reine solaire, c'est bien le Yamatai. Comment il sait ça? Et tu es vraiment là? Et tu es vraiment mort? Oh merde, un roi. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Je suppose que c'est ça qu'on cherchait? Parce que comme moi j'ai le cas sur les oreilles, en fait j'entends pas vraiment ce qu'ils disent. C'est un rituel du feu. Un rituel de sacrifice. C'est horrible. Mais pourquoi brûlait-il des femmes comme ça? Un voyage. Un pèlerinage vers... Est-ce que c'est bien ce monastère? De l'eau qui coule. Mais pourquoi? Je sais pas si vous remarquez, mais elle parle toute seule. Et te voilà. Ce n'est pas de l'eau qui coule, c'est un transfert de pouvoir. C'est un rituel de l'ascension. Pour désigner la prochaine reine. La voilà! Oh non! Attrapez-la! J'ai pas trop compris. Elle parle de reine? Genre, ce serait elle, non? Oh oui, j'aime bien cette arme. Vite, 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 faut que je ramasse des balles. Parce qu'avec un arc, voilà. Je suis d'accord, les arcs, c'est bien, mais... Mais bon. Fusil à pompe, c'est mieux. Donc, en principe, maintenant, on a toutes nos armes. D'accord, d'accord. Non. Oh, oh non. Oh, moi je veux pas lui qui vienne. Oh, ça va revenir, ça va taper dans la porte. Exact. Trop fort. En fait c'était un peu logique, mais bon. Nouveau camp découvert. Attendez, j'ai quand même envie de voir ce que si je peux encore améliorer des trucs parce que. Attendez, un autre truc que ça. La gâchette porte-clés permet d'améliorer la cadence de tir. Allez hop. On le prend. Comme ça on a l'arc amélioré à fond et je pense que ça peut être un truc de ouf. Comme moi j'adore les arcs, même si c'est vrai que dans ce jeu pour le moment je le gère pas. Enfin je gère pas énormément l'arc. Peut-être avec mon fusil à pompe. D'accord. Faut que je casse ça. Ah oui, fusil à pompe. J'avais oublié.
Tu te fous de ma gueule là. Y a toutes les planches qui s'enlèvent. Mais si, mais ils savent pas travailler là, c'est vraiment des petits chinois. Enfin, n'ayez rien hein, d'obsolète, hein. Parce que bon, c'est pas que ce que j'ai dit ça, que voilà, je ne suis pas raciste, absolument pas. Ah putain. Je sens que je vais devoir appuyer tout vite sur une touche et moi je vais pas être heureux. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de vent? C'est vraiment un truc de ouf. Et là, hop, toutes les planches qui dégagent. Eh ben non, essaye pas. Ouf, putain, j'ai nouveau eu peur. Faut vraiment qu'ils fassent des constructions plus solides. Parce que là, ça va pas. Ok, plus un point de compétence, j'avais carrément arrêté de parler là parce que j'ai stressé comme un dingue. On va juste récupérer les munitions au maximum. Ok, ok. La sortie était juste sous la porte. D'accord. Donc en principe. Ok. Ça servait à quoi de faire ça? Il va y avoir une autre boule. Attendez. On va voir si c'est un truc qui pourrait être. D'accord. La sortie était juste sous leurs pieds. Très très chaud à savoir ce qu'il faut faire. Ça va avec ça. Peut-être que je prenne. Oh, ça c'était drôle. Ah, on peut monter. Oh là là. Ah, c'est bien de tuer une flèche. C'est vilain. Et là, en principe, elle va cogner. Eh ben non, pas du tout, c'est de la merde. Tu sers à quoi, bordel, toi? Cette cloche pourrait faire l'affaire. Oh, oh. Des coffres. Ça, je n'avais pas vu. Ah, d'accord, du vent. Oui, ça c'est pas con, peut-être. Maintenant, il me reste plus qu'à approcher ça vers moi. Et je pense qu'elle va revenir d'une force assez inouïe. Attention. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Allez, encore un petit goût. Chut. Oh bah non. C'est peut-être un petit coup ça. C'était rien. Voilà, voilou. Et bim. Ok, je dois plus taper là, je pense. Peut-être plutôt par ici. Non, en fait, par là. Là, ça va pas la taper. Bon. Attendez, on va aller, je vois encore si. C'est peut-être ça.
Ah mais attendez. On va faire ça comme ça, bah oui bien sûr. J'avais pas vu le premier coup. Et là comme ça, ça va le faire de l'autre côté. Voilà. Tirons ça. Ouah le vent de ouf. Faut que j'aille refermer de l'autre côté si ça marche. Ouais, ça doit être possible. Ouais, ouais, ouais. Je referme, bim. Comme ça, je peux casser l'autre côté. Voilà. On tire et... paf! Maintenant, on ouvre encore ici. Ah, oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Voilà, fallait pas me chercher, bande de petites putes. Voilà, et maintenant on va taper dans la cloche qui devrait s'effondrer. C'est ça? Elle l'a fait ou pas? Ah, encore un coup. Allez. Tire, Lara, et... Mais non, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi la boule n'est pas du bon côté? On va l'amener plus par là. Ah non. Normalement. Le bordel de merde. Mais bordel de merde. Attendez, je comprends pas. Pourquoi la cloche ne s'effondre pas? Ah, j'ai pas réactivé. Ah bah oui, j'ai pas réactivé le... Ah bah oui. Vous étiez en train de gueuler derrière votre écran là. Mais espèce de con, t'as pas ouvert l'autre. Ah. Et attention, normalement. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon, ça, j'y pensais un peu moins. Aïe, ça... Putain, mais elle tombe tout le temps sur le dos, ça doit faire mal. Ça doit faire bobo. Moi aussi je veux courir. Fais un mini ralenti là hein. Putain, comment elle va vite. C'est une folle. Et non. Ah putain non, je veux. D'accord. Et comme... Mais il y a tout qui s'effondre ici, putain, mais... Que des matériaux de merde, je vous dis. Je vous le dis, que des matériaux de merde. Je sais pas qui c'est qui a travaillé là, mais ils devraient tous être virés. Ils devraient même pas être payés. Cette bande d'asexués. Non, tu vas pas t'endormir. T'as pas le droit de dormir. Si, elle dort. Allô? Allô? Oh. Sam. Allô? Sam, c'est Lara. Oh mon Dieu, Lara. Ça fait du bien de t'entendre. Moi aussi, Sam. Est-ce que les autres sont avec toi? Non, j'ai juste réussi à voler une radio à un garde. Un garde? J'ai été enlevée. Quoi? Où es-tu? Je sais pas. Un vieux palais japonais. Ils arrêtent pas de parler d'un rituel de feu. Lara, j'ai vraiment peur. Merde, j'entends quelqu'un. Je vais devoir cacher ce truc. Sam? Sam? Un rituel du feu. Comme sur la fresque dans le tombeau. Manquez plus que ça. Une meuf qui se fait enlever. On me dirige vers le palais. Ah, les autres, ils sont enfermés aussi. Ok, je te rejoins et on y va ensemble.
Enfin bref les gens, on va se laisser là pour ce 7e épisode. Et c'est toujours la même après-midi, il est 16h31. Et je vais continuer jusqu'à ce que ce soit terminé. Et oui, c'est, on va dire, un petit défi. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Ciao.